était très intéressant, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire qu'ils l'ont complètement valorisé pour la population locale. Donc le site exerce des fonctions naturelles qui sont très importantes sur le territoire, donc une filtration de l'eau, une expansion des crues. Mais il y a aussi cette valorisation pédagogique. On a vu des panneaux très intéressants sur site qui sont accessibles au grand public. Et on a pu croiser aussi lors de notre visite un groupe de lycéens, on a croisé des promeneurs. Donc on voit qu'au niveau du territoire, il y a vraiment une appropriation de ce site. Nous avons exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire que nous cherchons également à valoriser les fonctions des zones humides. Nous avons des problématiques de ressources en eau, donc avec les épisodes de sécheresse, une qualité de l'eau améliorée et bien sûr l'expansion des crues qui est une des plus grandes problématiques, l'un des gros enjeux du bassin versant de la Lys. Nous avons pour projet justement de valoriser des milieux humides dans cette optique-là et j'ai pu voir des exemples concrets de réalisation, notamment les cheminements qui m'ont paru très intéressants. J'ai pris quelques photos qui vont me servir aussi d'illustration pour montrer le résultat d'une telle démarche. On a vu 17 km de cours d'eau réaménagés. Alors nous, on est sur une perspective plutôt de 1000 km. Donc ça donne un échantillon de ce qu'on pourrait faire et surtout de la charge qui nous attend. Ce qui était intéressant, c'était aussi la rapidité de mise en place des travaux. On a vu en 4 ans, finalement, ils sont partis d'un projet pour une réalisation qui a été aussi très intégrée et appropriée par la population. Donc c'est un bon exemple de choses qu'on peut faire finalement avec des budgets qui ne sont pas énormes, 200 000 euros, c'était quand même assez restreint comme enveloppe financière finalement. Et puis c'est des réalisations qui sont très concrètes avec une valorisation du patrimoine, toujours pareil, de la mise en place aussi de sentiers à destination du public. On a abordé des notions assez diverses, hein. Il y avait la renaturation du cours d'eau, mais on a parlé aussi RCE, l'aspect piscicole, etc. Donc c'est vraiment à l'image de ce qu'on aimerait nous développer sur la vallée de la Canche et de l'Authie d'ici une dizaine d'années, en tout cas c'est l'objectif. À la fois les installations d'assainissement mais également le cours d'eau et ses méandres au niveau de la jonction avec la mer ainsi que le système qui permettait d'évacuer l'eau et la digue qui empêchait justement les échanges entre la mer et le cours d'eau, la Sanne. Très étonné qu'effectivement à cette embouchure-là, à cet endroit-là, on ait autant de problématiques liées au changement climatique, parce qu'on avait la falaise avec des effondrements. Le fait d'avoir historiquement cette digue qui avait été construite pour protéger les entrées dans l'intérieur des terres contre des envahisseurs, et qui maintenant était un problème lié justement à une pluviométrie qui ne permettait pas à ce que l'eau puisse s'évacuer naturellement et correctement en mer. Le fait d'avoir eu également des habitations qui se sont installées sur des zones inondables, des problèmes de pollution justement aussi qui venaient se greffer à tout ça. Marqué, c'est la volonté de la collectivité de ramener de la nature en ville et finalement prendre conscience à quel point la vie urbaine elle est terriblement éloignée des milieux naturels, surtout sur l'aménagement en fait de l'espace portuaire qui était précédemment lié au stockage du charbon. Finalement, simplement peut-être remettre de l'herbe, pour eux c'est quelque chose d'énorme quoi. Et sur l'écoquartier pareil, faire réapparaître l'eau qui était enfouie et qu'on voyait plus, faire réapparaître les éléments naturels, c'est quelque chose qui semble extraordinaire.